Madame, Monsieur, bonjour, bon réveil et bienvenue à ce journal du matin qui prend la direction de Nairobi au Kenya où après 7 jours d'intenses travaux et pour parler de paix ont baissé les rideaux hier, 10 grandes décisions ont été prises dans le sens de ramener la paix en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Champion Dangui, Giscard Koussema. Tous les participants étaient bien présents dans la salle de plénière pour la clôture des travaux de la 3e session des consultations de paix de Nairobi. Les représentants d'une 60aine des groupes armés et des délégués de la société civile de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, se sont accordés autour de 10 grandes décisions contenues dans les communiqués finales lus par le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu. À l'issue de ces travaux, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées dont sont issus les groupes armés afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dont sont issus les groupes armés et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. 5. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la requête de certains membres des groupes armés d'intégrer les FRDC et les forces de sécurité. 6. Encourager une étroite collaboration entre le programme de développement local des 145 territoires, en sigle PDL 145T, et le PDDRCS en vue d'offrir des opportunités d'emploi, de commerce, d'entrepreneuriat aux communautés. Pour marquer leur adhésion à toutes ces décisions, tous les groupes armés ont signé ces documents en présence du facilitateur Uhuru Kenyatta, visiblement satisfait de la bonne fin des travaux. Na mambo ya vikundi ambavyo ni vya nchi zingine ambavyo vimekuja kuishi kati yetu na kuleta vurugu kati yetu. Haya tumesema tumeyapeleka kwa viongozi wa Afrika Mashariki. Na ndivyo hivyo vikundi viweze kuongea na serikali zao warudi makwao wawache wa Kongo kwa amani. Les participants ont convenu de se retrouver en début d'année prochaine à Goma, Bukavu et Bunia pour évaluer les premiers résultats de l'engagement des Nairobi 3. Ces informations ont été relayées dans les réseaux sociaux au sujet des perdièmes réclamés par les groupes armés. Eh bien, le facilitateur Uhuru Kenyatta fait le point à ce sujet. La logistique a été organisée par le secrétariat de l'EAC et non par les délégués de Kinshasa. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Giscard Koussema. Ulikuwa umepangwa na secretariat ya East African Community. Lakini secretariat wakachelewa, ya? Badala ya kufanya mbinu kuhakikisha wamechunga masilahi ya hawa madelegates, wakachelewa. Na unajua jana ndio ilikuwa siku ya mwisho.
na ndipo uliona matatizo hapa, kwa sababu wengine walikuwa wanasema bado wana madeni ya mahoteli nini na nini. Na ndipo nikakasirika nikasema tufunge mkutano mpaka Secretariat ya Afrika Mashariki itimize ahadi yao kwa hawa delegates ambao wako hapa. Na nataka kusema ya kwamba leo ndio nimesema sikasiriki leo, jana na leo asubuhi wametimiza, na madelegates wote wametimiziwa mambo yao. Na kwa hivyo sasa tutaendelea, na tunasema safari ingine tuhakikishe ya kwamba mipango yetu inafanywa mapema. Kwa hivyo wale nilikuwa naongea juu yao ni wale wa Secretariat ya Afrika Mashariki, sio serikali ya Kongo, kwa sababu hii ni process ya Afrika Mashariki. Retour à Kinshasa et rendons-nous à la chambre haute du Parlement. Notre consoeur Sandra Niang nous apprend qu'il y a eu examen du projet de loi des finances exercice 2023 par la commission ECOFIN. Après l'Assemblée nationale, le projet du budget 2023 atterrit au Sénat qui l'examine en seconde lecture. Sous la direction du président Modeste Baati Lukwebo, les sénateurs ont décidé de confier ce projet de loi des finances à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Une décision prise conformément aux prescrits des articles 125, 126 et 127 du règlement intérieur du Sénat. Pour doter la RDC d'un budget conséquent à cette période où les pays font face à une agression rwandaise, chaque commission permanente de la Chambre haute du Parlement a été aussi invitée à envoyer un délégué aux travaux de la commission ECOFIN en vue d'enrichir le projet de loi des finances sous examen. La commission ECOFIN se dit par ailleurs ouverte à tous les sénateurs désireux d'apporter des amendements à cet important projet de loi. Pour cela, la commission ECOFIN du Sénat a obtenu de la plénière un délai de 7 jours avant de revenir présenter son rapport le 12 décembre 2022. Du haut du perchoir, le président du Sénat, Modeste Baati, a saisi cette occasion pour condamner avec la dernière énergie le massacre perpétré la semaine dernière dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, par les éléments du M23, bras armé du Rwanda, qui sème la mort et la désolation dans l'est de notre pays. Le bilan de ce massacre, selon le gouvernement, est passé à 272 morts, parmi lesquels on compte aussi les enfants. Certes, les tueries sont légion dans l'est du pays depuis plusieurs années, perpétrées principalement par des terroristes et autres groupes armés. Il faut noter que c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que le gouvernement Samalou Koundé avait déposé à l'Assemblée nationale le projet du budget 2023 évalué à 14,6 milliards de dollars. Après son examen à la Chambre basse du Parlement, ce projet a été porté à 15,8 milliards de dollars américains. Le Sénat qui examine en seconde lecture ce dit projet n'a que 15 jours pour l'améliorer encore afin de doter la RDC d'un budget 2023 à la hauteur de ses ambitions avant la clôture de la session ordinaire en cours prévue le 15 décembre 2022. Des prix aux entrepreneurs lauréats de l'industrie présidentielle pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. La cérémonie de remise de ces prix a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalkonde. Patti Tondouangou, bienvenue Lusala. Une initiative présidentielle en partenariat avec la Fondation Elumelu pour l'entrepreneuriat des jeunes à la rescousse des 100 jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants dans les secteurs de l'agroalimentaire, du digital, d'industrie légère, des cosmétiques et beaucoup d'autres encore. Ils viennent de bénéficier chacun d'une somme de 5 000 $ américains pour accroître leurs activités de petites et moyennes entreprises. C'est une façon d'encourager la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat afin de combattre le chômage et le parasitisme social pour une vie meilleure susceptible de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé a invité les jeunes à adhérer massivement dans cette vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'appuyer l'émergence de la classe moyenne attendue de tous les vœux en République démocratique du Congo. Cette nouvelle initiative du chef de l'État a pour ambition de soutenir l'éclosion et l'économie congolaise à travers le soutien du bas de la pyramide. Aujourd'hui, nous célébrons 100 entrepreneurs lauréats, vous ici bien sûr, mais je voudrais les prendre.
Mais je voudrais les prendre ici comme point de commencement et encouragement et appel à toute la jeunesse congolaise à entreprendre des actions lucratives pour son autonomisation. Je voudrais également remercier M. le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, M. Eustache Mwanzi, ainsi que M. Nicolas Tagadi, ministre des Finances, pour leur implication et la future mise en place de cette grande initiative en soutien à l'entrepreneuriat. La remise de cette somme aux heureux bénéficiaires s'est passée devant le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Mwanzi Mubembe, en tant que tutelle, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pourvoyeur des fonds d'amorçage aux lauréats du jour. Selon lui, cette initiative présidentielle est le couronnement des efforts du gouvernement pour la promotion de l'entrepreneuriat en vue de la construction d'un État fort et prospère. Contre-texte entre le ministre de la Défense nationale et le comité spécial du maintien de la paix C-34, plusieurs questions ont été évoquées au cours de leurs échanges, notamment le retrait des troupes de la MONUSCO, la réforme de la sécurité, quitte de l'action de la MONUSCO dans le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation. Le point avec Jojo Ndibou. La délégation du comité spécial de maintien de la paix C-34, conduite par Richard Areiter, représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, venue s'informer auprès du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, sur plusieurs questions d'actualité brûlante de l'heure concernant la RDC. D'entrée de jeu, la délégation a présenté ses condoléances à la République démocratique du Congo suite au massacre des Kishishe perpétré par le M23 et l'armée rwandaise avec 272 civils tués. Le C-34 a présenté ses préoccupations sur la question du retrait de la MONUSCO, la réforme de la sécurité et tant d'autres. Le ministre de la Défense n'est pas allé au dos de la cuillère. La question relative aux relations entre la MONUSCO et le peuple, depuis les événements que nous avons connus, le peuple, vous savez très bien, il est meurtri. Nous avons tous suivi les incidents il y a quelques mois à Béni ou Togo, lorsque la personne qui est venue pour secourir, vous sauver de la mort, vous abandonne et même vous déclare qu'il ne peut plus. Quel sentiment vous avez? Nous parlons ici du peuple. Quel sentiment voulez-vous que le peuple ait vis-à-vis de la MONUSCO? À mon avis, c'est à la MONUSCO, à la communauté internationale, que vous représentez, de voir comment retourner dans les cœurs. Le ministre de la Défense leur a fait savoir qu'il vient d'élaborer la politique de la défense nationale recommandée par le Premier ministre. Autre fait de l'actualité, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les parlementaires européens dénoncent l'agression de la RDC par le Rwanda ainsi que la politique de l'Union européenne qui a renforcé sa coopération militaire avec le gouvernement rwandais qui, du reste, appuie militairement le mouvement rebelle du M23. Maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne? Que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, mais il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique,
où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique, l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Guerre d'agression dans la RDC, victime dans sa partie est. Monsieur Eric Nindou, directeur de la communication à la présidence de la République, dénonce le silence de la communauté internationale face à la position du Rwanda qui opère derrière le mouvement rebelle du M23. C'était lors de son intervention sur TV5 Monde. Suivez. Nous recevons Eric Nindou, directeur de la communication de la présidence en RDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namori, merci pour l'invitation. En quoi le régime rwandais de Paul Kagame est-il l'ennemi de la RDC, comme l'a déclaré ce week-end le président Tshisekedi? Le régime de Paul Kagame soutient le M23, qui est un mouvement terroriste qui sévit à l'est de la RDC depuis des décennies. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a fait un tweet où il urge en anglais, ça veut dire il demande instamment, urgemment, au président Paul Kagame de cesser son soutien au M23. Toutes les instances internationales qui de plus en plus commencent à voir la vérité et à dire surtout la vérité en demandant au Rwanda de cesser l'aide au M23, sachant bien que la solution de la paix durable au Congo se trouve non pas à Bounagana, là où sont le M23, mais se trouve à Kigali. C'est à Kigali, c'est Kigali qui détient la clé de la fin des hostilités en RDC. La communauté internationale, parlons-en. Vous m'invitez aujourd'hui sur TV5, vous le faites de temps en temps avec des responsables congolais, mais il faut en parler. Il y a eu un massacre à Kisheshe récemment. On parle de près de 120 morts, mais on n'entend pas les médias. Il y a un silence assourdissant de toutes les chancelleries occidentales. Pourquoi? Est-ce qu'un mort congolais ne vaut pas un mort d'un autre pays? C'est un scandale, monsieur. Ça fait 25 ans qu'au Congo, on tue, on viole et on brime le peuple congolais. On en a assez au Congo, on a envie que ça change. Le sujet aujourd'hui, c'est le conflit à l'Est. C'est le M23 qui doit déposer les armes, se démobiliser et aller dans des cantonnements. C'est ça le sujet. Et le président Kagame, il ne trouve rien de bien que de commencer à faire des considérations sur les élections au Congo. Il n'est pas un modèle de démocratie. Je referme la parenthèse du président Kagame. Les fossoyeurs de l'unité congolaise, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on ne parle du Congo que quand il y a des problèmes. Vous ne m'invitez que pour parler des problèmes à l'Est. Alors que le Congo aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de renaître. Il y a des réformes qui sont mises en place. Le président Tshisekedi est en train de mettre en place un pays qui se relève. Vous savez qu'on est passé en 3 ans de 4 milliards à 15 milliards du budget de l'État. Aujourd'hui, on a les moyens de développer ce pays. Ça n'a pas été fait dans les années précédentes, mais malheureusement, certains ennemis du Congo veulent nous ramener toujours à des problèmes d'insécurité, à des problèmes de déstabilisation dans l'Est. On terminera sur ces mots. Eric Nindou, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. La vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, sensibilisait la population de la commune de Maluku sur l'importance de l'arbre. C'était à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, célébrée le 5 décembre de chaque année. Chemin Dondo. Les programmes du gouvernement congolais sur la gestion durable des forêts, lancés par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, développement durable vise la mobilisation de la finance climatique à travers les fonds nationaux RED plus FONARED, financé par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI. Les ressources mobilisées seront utilisées pour la mise en œuvre du plan d'investissement RED plus, dont celui signé entre la RDC et CAFI, adopté pour une période de 5 ans. Le programme PGDF, ensemble des méthodes de gestion, vise à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité, leur capacité à satisfaire de manière pérenne, donc durable, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes sans causer des préjudices à d'autres écosystèmes. L'ambassadeur d'Allemagne en RDC et président en exercice de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale souligne l'importance de l'accord signé. Au niveau décentralisé, les programmes de gestion durable des forêts, PGDF, sera mis en œuvre dans 5 provinces cibles, notamment les Mayen Dombé, l'Équateur, la Mongala, la Tchopo et l'Ituri. L'atelier de lancement officiel du programme de gestion des forêts durables a permis d'améliorer la visibilité du programme, le soutien et l'adhésion des parties prenantes.
Signature d'un protocole d'accord entre le bureau central de coordination avec plusieurs partenaires, ceci dans le but de renforcer le projet de développement de 145 territoires, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Jacques Kaboba pour le reportage. Le protocole d'accord signé à ces jours entre le bureau central de coordination BCECO et le ministère des hydrocarbures fait suite à la visite qu'a effectuée le directeur général de BCECO en ville de Mwanda au mois d'octobre dernier en vue de rassurer sa population sur la disponibilité des 10 millions rétrocédés par le Perenco sous tutelle du ministère des hydrocarbures dans le cadre de la paye de ces taxes. En présence de Mme Michèle Makiengo, présidente de la commission de gestion des fonds du territoire de Mwanda, ce protocole d'accord vise à construire les investissements bénéfiques pour la population de Mwanda. Le numéro 1 de BCECO parle d'une gestion participative avec les bénéficiaires afin de définir les priorités. Les activités n'ont pas été définies par les communautés. En fait, ça sera une gestion participative. Les priorités seront définies par les communautés et c'est sur base de ça que BCECO va pouvoir recruter les prestataires et mettre en œuvre ses activités. Cette étape franchie, la réalisation des priorités du territoire de Mwanda se dessine à l'horizon. Tous les projets retenus dans ces cadres passeront par un appel d'offres. Lundi 5 décembre dernier, qu'un contrat de partenariat a été signé. Qu'un contrat de partenariat public-privé a été signé entre le gouvernement de la RDC par le canal du ministère de l'Agriculture et la société allemande Amatheon Agri, représentée par son directeur général, Marthe Mangazakalala. Ces contrats de partenariat entre Amatheon Agri Holding, une entreprise agroalimentaire européenne dont le siège social se trouve à Berlin, fournira 100 000 hectares de terres pour la culture du maïs, du soja, du coton, du riz et de l'huile de palme, couvrant ainsi l'ensemble de la chaîne des valeurs. Nous sommes opérationnels dans Ouganda, Zambia et Zimbabwe. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage en RDC. Et nous voulons fournir à environnement 70 000 de emplois directs. Grâce à l'appui de la société Amatheon Agri, nous allons aller de l'avant dans tout ce qui est projet agriculture. Ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Et nous sommes là pour autant pour accompagner le gouvernement, autant pour aider le peuple qui en a besoin. Ces projets permettront d'augmenter les revenus de petits exploitants agricoles et de créer les emplois de qualité. Le génie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait que nous puissions comprendre l'importance de l'arrivage du sol sur le sous-sol. Et quand il le disait, même nous les ministres, on ne comprenait pas le fond de la problématique. Au fait, nous avons abandonné les champs depuis 40 ans. Pour les mines, et aujourd'hui on est en train de parler de la crise alimentaire en RDC. C'est discutable. Il y a aussi la partie agro-industrie avec les cultures pérennes. La République démocratique du Congo offre les bons cadres agricoles et sociaux pour les nouveaux projets d'investissement. Autre fait de l'actualité, pour favoriser l'inclusion financière à travers le mobile banking, plusieurs solutions digitales sont envisageables. C'est le cas de M-Pesa Rallonge, lancé hier mardi, fruit du partenariat entre Access Bank et l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom. Plus d'éclaircissements avec Yvette Makuntima et Cédric Kenina. Ces services digitaux développés pour la plupart par les compagnies de télécommunications et institutions bancaires facilitent la vie à la population des grandes agglomérations comme celle de l'arrière-pays. Ces outils permettent l'achat de biens de grande consommation, les transferts d'argent pour des besoins sociaux, les paiements des salaires du personnel et autres transactions financières. Les cas de M-Pesa Rallonge, fruit du partenariat entre Access Bank, RDC et Vodacom Congo. Nous avons eu l'occasion de lancer le même produit dans plusieurs pays, notamment en Zambie, au Mozambique, et au Ghana, et au Nigeria. Fort de cette expérience, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on trouve un partenaire technologique avec lequel nous pouvons lancer le même produit en RDC. Aujourd'hui, nous voulons bâtir ce pont entre les banques, les télécoms et les individus. Pour être éligible, il suffit d'être un utilisateur M-Pesa et de bénéficier d'un scoring qui est un crédit confiance. Les vrais privilégiés, c'est les gens qui utilisent régulièrement les services M-Pesa. Parce qu'en achetant les forfaits par M-Pesa, vous avez beaucoup plus de volume,
Donc, faites vos transactions par M-Pesa. Tu vas envoyer un 10 dollars à quelqu'un. Tu fais renouveler ton abonnement. Tu vas acheter ton forfait fédéral par la M-Pesa. Ça va augmenter ce que nous appelons votre crédit de confiance. Dans les échanges, les participants ont appelé les autorités publiques à appuyer les banques et les sociétés des télécommunications, les cas de figure qui contribuent au relèvement du taux des pénétrations bancaires à travers le mobile banking. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire était à l'Institut technique, l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. C'était pour lancer les travaux des constructions des auditoires et laboratoires. On en parle avec Oscar Malkaï. Cet événement vaut son pesant d'or. Des auditoires et laboratoires modernes vont sortir des terres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangui, a posé la première pierre des constructions de ces nouvelles infrastructures qui seront exécutées dans un court délai. La pose de la première pierre du bâtiment Nzangui témoigne à suffisance votre souci d'améliorer la capacité d'accueil des étudiants et leurs conditions d'études. Que ce geste, combien louable, ne se limite pas seulement au niveau des infrastructures, mais qu'ils s'étendent aussi à d'autres aspects de l'enseignement supérieur et universitaire. L'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, sera doté des ateliers dignes de ce nom, à l'image de cet institut qui offre une formation de qualité aux Congolais. L'ISTA, c'est parmi les établissements, comme on peut le dire, il faut tout dire mon thème, parce que c'est eux qui forment des techniciens qui doivent aller dans les usines, dans les mines, pour remplir cette grande mission, celle de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et donc, il était urgent pour nous de songer à l'amélioration des infrastructures. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les travaux commencent. On nous parle de 18 mois, mais moi, je voudrais que ça s'achève avant 18 mois. Cette modernisation s'inscrit dans la logique du système licence, master, doctorat, LMD, qui requiert des infrastructures dignes de ce nom. Il en sera ainsi pour d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire disséminés à travers la République. Parlons présent de cet atelier d'adoption des rapports sur la couverture de la santé universelle avec notre confrère Cher Kabouba. L'on se rapproche peu à peu à la mise en œuvre effective de la couverture de la santé universelle en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, au cours de cet atelier, les membres du Conseil national de la couverture mettront en place tous les mécanismes nécessaires pour aboutir au financement. Ces panélistes vont aussi examiner et faire des analyses critiques des résultats obtenus lors du dernier atelier pour apporter certains amendements, a précisé le conseiller du chef de l'État en charge de la santé universelle, Samuel Roger Kabamba. Le programme phare du chef de l'État en matière sociale, en ce qui concerne la santé, c'est la couverture santé universelle, c'est-à-dire la possibilité de permettre à tous les Congolais d'accéder à des soins de santé de qualité sans se ruiner financièrement. Nous avons commandé une étude qui a été très sérieuse et pour laquelle on nous donne les résultats aujourd'hui. Ces résultats permettront de savoir, au-delà du budget de l'État, quelles sont les autres possibilités que nous avons de financer la couverture santé universelle. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Au terme de ces travaux, une liste d'instruments fiscaux et budgétaires éligibles au financement pour la couverture sanitaire sera élaborée, laquelle liste sera remise aux autorités compétentes pour avis et considération. Les sous-traitants veulent collaborer avec l'État pour participer à la promotion d'une classe moyenne en RDC. Juste après la sortie officielle du Club national des sous-traitants, le président Gabriel Tshitende est allé voir le ministre en charge de l'entrepreneuriat, petit et moyenne entreprise, pour des directives afin de bien mener son action axée principalement dans l'encadrement des sous-traitants. Peu après, il a été reçu par le ministre de la Jeunesse, Mireille Ndeke. Un mois après la sortie officielle du Club national de sous-traitants, l'heure est aux actions. Le sous-traitant congolais, œuvrant en grande partie dans le secteur privé, tient également à l'accompagnement de l'État pour participer à la promotion de la classe moyenne en RDC, vœu du chef de l'État. C'est dans cette optique que le président du Club national de sous-traitants, Gabriel Tshitende, a été reçu par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouhanzi Mbembe, pour présenter son plan d'action et recevoir des orientations claires concernant la sous-traitance. Il y a un mois, presque,
le Club national des sous-traitants avait organisé sa sortie officielle. Aujourd'hui, c'était quand même nécessaire de venir voir le ministre et lui présenter notre plan d'action, qu'est-ce que nous attendons du ministère des PME, qu'est-ce que nous attendons du gouvernement de la République en général et lui présenter quelques soucis des sous-traitants. Conscient des efforts consentis par le gouvernement dans ce secteur, le président du CNS sollicite encore une fois l'implication du gouvernement pour le strict respect de la loi sur la sous-traitance afin que la majorité des contrats reviennent aux nationaux. Le ministre nous a rassuré que le travail des fonds est en train d'être fait parce qu'il y a une loi qui a été votée sur l'entrepreneuriat. Et la loi sur le marché public doit maintenant s'adapter à cette loi-là qui est principale, la loi sur l'entrepreneuriat. Donc, que les sous-traitants congolais espèrent dans les jours à venir que les marchés viendront non seulement du secteur privé, mais aussi du secteur public. Dans son agenda, Gabriel Tshitende a été également reçu par le ministre de la Jeunesse, Yves Mboukoulou, en tant que jeune entrepreneur congolais qui lutte contre la pauvreté en RDC. Ils ont ensemble évoqué des questions liées à la création d'emplois pour faire participer le jeune à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante, l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs débutera le 24 décembre prochain. Dans sa première ère, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Linga, l'a dit au chef des confessions religieuses lors d'une séance de travail qu'ils ont eue lundi au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Reportage. Ils étaient tous là, au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Les pères spirituels regroupés au sein de la plateforme des confessions religieuses. Au cours de cette rencontre avec le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, qu'accompagnait le directeur de cabinet adjoint Jésus Lungangé, les a sensibilisés à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutera le 24 décembre prochain dans la première ère opérationnelle. Nous allons commencer l'enrôlement des électeurs le 24 décembre. Et cet enrôlement ne prendra qu'un mois. Vous comprenez que la pression est très forte. Enrôler toute cette population pendant un mois, ce n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour solliciter cet accompagnement. Et nous pensons que l'église du Christ au Congo, qui est une très grande église et qui a des ramifications partout au pays, va énormément aider la nation congolaise pour cette opération ô combien importante d'enrôlement des électeurs. Par ailleurs, le président de la plateforme des confessions religieuses, l'évêque général de Dokamba, a exprimé le vœu de voir le processus électoral aboutir avec succès. Avoir tout un mois pour cette question, c'est une très bonne chose et nous sommes suffisamment préparés et nous sommes prêts et nous apprécions à sa juste valeur. Notons que la dite plateforme est constituée de 9 confessions religieuses, notamment l'église du Réveil du Congo, la communauté islamique du Congo, l'église kimbanguiste, l'armée du salut et bien d'autres encore. Réalisé par Patrick Bapuila à Tacha Machinis, on est fini pour cette première livraison d'actualité sur la chaîne nationale qui a connu le concours technique d'Emile Zola, Gabi Konga, Médard Moubenga, Alain Galia. Il a été coordonné par Jacques Kabouaboua Moukoumina Seduga. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt et bonne matinée à toutes et à tous. We'll be right back.